Aujourd'hui, on se retrouve sur mon compte Instagram. J'ai fait dernièrement une vidéo sur les shorts YouTube. Aujourd'hui, on va faire pareil avec les courts formats sur Instagram. Donc, ça veut dire qu'on va parler des réels, on va parler des vidéos, on va voir ce que j'ai essayé, on va voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et on va voir aussi ce que font les autres. Parce que, comme pour YouTube, on voit qu'Instagram pousse énormément grâce à. Pardon, grâce à son algorithme, pousse énormément ce type de contenu. Donc quand on fait plus, ici bah, on peut mettre un nouveau post. Donc là sur l'ordi, forcément, il va m'embêter. Mais sinon, là je fais plus, je peux mettre un réel, une story. Bon, la story qui va plus, qui, voilà, qui va être là-haut, mais qui va peut-être plus orientée pour la communauté pour interagir avec elle. Donc je peux mettre une vidéo, je peux mettre un réel, pardon. Et après, il y a tout ce qui est Instagram direct. Tout ça. Si je vais sur mon profil. Donc là, je vais sur ma chaîne, enfin sur mon profil Insta, pardon. On voit donc que j'ai des posts, donc tous les jours. Si t'es pas encore abonné à mon compte Business pour tous Insta, tous les jours, j'ai un post avec une photo inspirante comme ça qui sort. Et après, depuis quelques temps, j'essaye du coup de mettre des réels, j'essaye des vidéos, et j'essaye en fait différentes choses. Et je vois ce qui marche, ce qui marche pas. Et en fonction, bah, je m'adapte, et c'est pour ça que je fais aujourd'hui cette vidéo. Donc si je vais dans les réels, on voit que j'ai mis ce réel-là, comment rédiger des articles, il a un like, il a 14 vues. Celui-là, pareil, 11 vues, donc ça c'était une vidéo extraite d'une vidéo YouTube. Celui-là, on regarde ensemble, voilà, je montre une appli pour faire des sondages rémunérés et gagner de l'argent. Donc là, il y a un petit peu plus de montage, je mets du texte, il y a une animation et tout. Hop, celle-là, elle a fait 1070 vues et 2 interactions. Ici, j'ai mis en fait une photo. Ça, c'est juste une photo, mais que du coup, j'ai mis en vidéo. Par contre, ouais, c'est une photo que j'ai filmée, voilà, pour la laisser en vidéo. C'était un test. Du coup, là, 16 vues. Donc, elle, pas trop poussée par l'algorithme et du coup, une interaction. Là, des conseils pour être bien dans la vie. Donc, c'est un TikTok que j'ai remis. 17 vues, donc pas non plus énorme. Ici, une vidéo d'Elon Musk qui parle. Voilà, comment il passe son temps et tout ça, comment il dépasse son temps. Donc, là, un petit peu plus aimé. 746 vues et. 4 interactions, celle-là beaucoup mieux. Ou là, c'était comme la dernière fois si tu as vu la chaîne YouTube, où en fait j'ai juste filmé mon écran pour dire qu'il y avait beaucoup de vidéos qui étaient en préparation. Bien dans la bio, je mets tous les réseaux, tout ça. Et là, énormément poussé, j'ai 1900 vues par la plateforme. Donc, ça a vraiment poussé cette vidéo, je ne sais pas non plus pourquoi. Est-ce que c'est les hashtags? Est-ce qu'elle est tombée au bon moment? Est-ce que ça a plu? Là, pour le coup, je ne sais pas trop quoi dire. Là, une vidéo Pi, voilà, 44. Celle-ci, pour dire que j'allais partir en live, 989. Celle-ci, pareil, une astuce pour gagner de l'argent en jouant, 5900 vues, 43 likes. Donc là, elle a vraiment créé de l'interaction. Donc si je la regarde, là, j'ai ma vidéo. Et derrière, donc du coup, j'ai mis mes hashtags et tout ça. Donc là, il y a quand même plus de travail, il y a de l'interaction. J'ai mis des titres, ça grossit, ça zoome, il y a des découpures. Voilà. Donc peut-être plus se diriger vers quelque chose comme ça, parce que là, on voit vraiment que ça crée de l'interaction avec la personne. Voilà, ce que je cherche, elle est sur la page. Et celle-là, pareil, automatisée. Donc ça vient aussi d'une vidéo YouTube pour automatiser du coup la chaîne avec IF2T. Je l'avais montré, donc là pareil, 3900 vues, 15 likes. Donc voilà, donc je teste un petit peu des trucs. Ce qui est bien aussi, c'est que bah, c'est des vidéos qui après bah, restent sur la plateforme, hein. C'est des réels. Ça reste sur la plateforme, et donc après tous les jours, j'ai entre 2 et 3 likes sur ces vidéos, et du coup, ça navigue. Donc voilà, donc je teste tous les jours à faire tel contenu. Donc est-ce qu'il vaut mieux faire une astuce? Est-ce qu'il vaut mieux mettre
telle description? Est-ce qu'il vaut mieux mettre une vidéo comme ça? Est-ce qu'il vaut mieux... Voilà, donc après, comme ça, je peux éliminer et au final, garder que celles qui ont marché. Voilà, je vois que ça, ça, ça et ça marche pas. Donc voilà, on va orienter un petit peu différemment maintenant le profil pour justement pouvoir ça. Ce que je vois en tout cas, c'est que la plateforme vraiment pousse ses réels parce que, pareil, alors est-ce que je vais pouvoir voir la... Est-ce que je vais pouvoir voir ça? Non, je vais pas pouvoir. Niveau analytique, c'est vraiment en 2 heures. En 2 heures, si la plateforme, si l'algorithme veut le pousser, en 2 heures, on peut avoir 700 vues d'un coup, quoi. Donc, mais il y a un équilibre à trouver. Et c'est ça qui est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que c'est ce format court qui plaît aujourd'hui par la plateforme. Deuxième chose, ça va être les vidéos comme ça. Alors, j'ai essayé, moi ça marche bof. On voit, voilà, j'ai mis un texte comme ça, donc on regardera après pourquoi. J'ai eu 10 vues, pas d'interaction. J'ai mis une vidéo comme ça, donc sortie d'un TikTok, et j'ai 5 vues et une interaction. Moi ça marche pas trop, là j'arrive pas trop à trouver le pourquoi. On va regarder après pourquoi. Si je vais sur le profil, en fait il y a énormément de vidéos comme ça. Avec, voilà, il suffit de descendre un petit peu et on va en trouver, c'est sûr, énormément de vidéos où, en fait, c'est un. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est une photo qui est mise sous forme de vidéo et du coup, ça va faire varier un petit peu la qualité, la nature des posts. Au lieu d'avoir que des photos, on va avoir un peu des vidéos, des photos, des réels et du coup, on va voilà, varier les posts. Ici, donc là, bon, on a ça. Voilà, genre celui-là. Celui-là, c'est une vidéo. Donc, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de. Je vais zoomer un peu. Il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de musique. Il n'y a rien. Et en fait, c'est une vidéo. Et on voit que cette vidéo, elle a 30 500 vues. Donc, après, c'est un gros compte. Voilà, c'est un compte à 670 000 followers. Mais on voit qu'une vidéo comme ça, en fait, c'est une image qui est mise sous forme de vidéo. Et on voit qu'il fait 35 000, 39 000 vues, il y a 39 commentaires, et il y a quand même beaucoup d'interactions. Donc voilà, ça, c'est aussi un format qui est beaucoup essayé aujourd'hui sur Instagram. C'est un format qui marche. Donc voilà, j'ai voulu essayer un petit peu. Moi, mon échelle, pour l'instant, ça marche pas trop. Donc j'essaye d'autres choses. Ici. Non, ici, non. Bah, j'essaie de trouver un petit peu dans la même idée. Je scrolle 5 minutes. Voilà, ici, pareil. Ici, pareil. Et en fait, voilà. Quand on la clique, votre seule obligation dans la vie est d'être vrai envers vous-même. Et là, pareil. 11 630 vues. Et ça fait que monter. Donc ça, c'est aussi, voilà, c'est aussi quelque chose d'intéressant, je pense, si on va sur le profil, hop, de Fort Nicolas. On va voir qu'il a ses posts. Il a des réels. Donc il a 180 followers. 1000, 180 000. Il a ses réels. À 45, 22, 28, 28, 30, 31. Voilà, donc là, il y a tous ses réels. Et après, il a ses vidéos. Où du coup, ses vidéos, bah, c'est un texte. C'est une image mise sous forme de vidéo. Et là, 18 000 vues, 7 000 vues. Ça, c'est une vraie vidéo. Ça, c'est un texte. 12 000 vues. Ça, c'est quand même de voir. Donc voilà, ça peut aussi être intéressant comme format à tester. Alors après, à voir, ce que j'ai pas regardé, niveau description, ouais, il met tous ces hashtags et tout. Est-ce que ça marche plus sur les gros comptes? Je sais pas. Moi, je pense que je vais continuer quand même à essayer. Et pour varier, en fait, varier un petit peu tous les posts, quoi. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui est super intéressant. Parce que du coup, voilà, alors, il y a du 9 000, 12 000, 18 000, 16 000, enfin. Donc voilà pour Instagram. Parce que voilà, il y a vraiment des retours. Typique avec typiquement pardon avec voilà cette c'est pas où je voulais aller
avec cette vidéo dans les réels à 5 900, et elle apporte vraiment du coup du contenu sur la chaîne. Donc voilà, pour moi, c'est, si je condense un petit peu tout, c'est vraiment les formats courts, que ce soit du réel ou une vidéo, pour en fait varier la qualité et la nature des posts, parce que ça, du coup, Instagram va aimer et va du coup mettre en avant le contenu que tu peux mettre sur ton compte. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si tu connaissais ça, à me le dire en description et en commentaire, pardon, et à t'abonner. Tu as bien sûr un cadeau dans la description, tu peux cliquer dessus, tu peux rejoindre le compte Telegram, et voilà, je te dis à bientôt, ciao!